la première fois, c'est la première conférence. Vous savez que la Fondation c'est architecture, santé et environnement. Eh bien, c'est la première conférence où on va parler d'architecture, de santé et d'environnement. Voilà, donc on est très contents. Nous recevons aujourd'hui deux personnages que nous connaissons, que nos fidèles connaissent, puisqu'ils étaient aux tables rondes que nous avons faites en juin au lancement du livre « Bien vivre la ville ». Donc, André Cicolella, qui est là, auteur de livre « Toxic Planète », que j'ai ici, et Albert Lévy, auteur du livre « Ville, urbanisme et santé, les trois révolutions ». Ils sont tous les deux membres, enfin, André est président fondateur du réseau Environnement Santé, et Albert fait partie aussi du conseil d'administration de cette association. Voilà, donc ils sont tous les deux, travaillent dans ce domaine-là. Voilà, je voulais vous faire un petit speech sur l'importance des perturbateurs endocriniens, mais vous savez, ils sont arrivés même dans la campagne électorale, donc tout le monde en parle, il y a eu des unes de journaux partout, donc vous savez maintenant ce que ça veut dire, et vous savez pourquoi on tombe malade, voilà, pour certains. Et en fait, c'est quand même assez grave, parce que je lisais là que 5,9 millions d'enfants ont perdu la vie, 26% attribuables à l'environnement, et auraient pu être évités. Ce qui réduisait les risques d'environnement, tels que la pollution, la contamination de l'eau, l'exposition aux produits chimiques ou manque d'hygiène. C'est l'OMS, c'est une source d'OMS. Ça fait quand même beaucoup. Voilà. Et puis les maladies chroniques touchent 20 millions de personnes en France. Donc c'est quand même un gros sujet, puisque c'est pratiquement presque un tiers de la population française. Voilà. Maladies chroniques, vous savez, vous connaissez le diabète. Les cancers. Donc nous allons parler de ce sujet-là avec deux spécialistes et je leur laisse la parole tous les deux. Bon, en fait, l'estimation que Jean-François a cité plutôt cette estimation qui repose sur la vision classique de la santé environnementale. Alors je ne vais pas développer, mais comme très rapidement, on a redécouvert la santé environnementale en 1989, en fait, le terme santé environnementale en France, en tout cas, après la première conférence commune OMS Europe et l'Union Européenne, des conférences qui se tiennent tous les 5 ans. C'est passé totalement inaperçu, mais ça a eu un grand mérite, ces conférences ont eu un grand mérite, c'est qu'elles ont forcé les pays européens à faire des plans nationaux santé environnement, et l'estimation qui est donnée de cette époque-là, sur la base d'une approche de la santé environnementale dans une logique santé des pollution des milieux. Donc on additionne effectivement à partir de la pollution. Mais la vision que je propose est de prendre le problème en partant des pathologies. Ça ne veut pas dire que ce qui est fait, effectivement, le calcul qui est fait à partir des facteurs de risque n'est pas intéressant, mais ça donne une vision effectivement plus réduite. En fait, quand on regarde l'augmentation des pathologies chroniques, on voit que cet élément nous permet de comprendre que l'environnement au sens le plus global du terme. Hein, parce que si on regarde avec le schéma classique, qu'est-ce qui est lié à la ville dans ce calcul-là, ben rien. Donc notre réunion d'aujourd'hui n'aurait pas de sens. Alors ce que je veux essayer de vous démontrer, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes effectivement acquis à cette idée que la ville, effectivement, pèse. Mais le lien n'est pas direct. Mais on peut appréhender ce lien entre ville et santé à partir de l'analyse notamment géographique des pathologies. C'est pour ça que j'ai proposé de traiter comme exemple la situation de Paris. Donc Paris, deuxième pays au monde pour le cancer du sein. Est-ce que vous le saviez ? Bon, personne ne le sait d'ailleurs, sauf si vous êtes un lecteur attentif des études faites par l'Observatoire régional de santé Île-de-France et que vous avez en plus une formation qui vous permet de comprendre que les chiffres qui sont avancés, si vous les transformez en chiffres recalculés sur la population mondiale, et donc si vous avez les éléments de comparaison en allant chercher
ces chiffres-là sur le site Globocan du Centre international de recherche contre le cancer, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Là, on constate que Paris est le deuxième pays au monde pour le cancer du sein. Même certains arrondissements de Paris... Certains arrondissements... Le premier, c'est lequel ? Le premier, c'est la Belgique. J'ai fait une conférence invité au Parlement belge il y a à peu près 2 ans. C'est ce que je leur ai dit, mais ils n'étaient pas au courant. Donc, c'est pas très surprenant. Enfin, c'est très surprenant. C'est très surprenant qu'effectivement ce type de données ne soit pas mis dans le débat public et ne soit pas le point de départ de construction de politique de public. Un, pour déjà comprendre le pourquoi. Alors, vous allez trouver des explications très, très rapidement qui viennent quand on annonce ce type de données. On va vous dire, mais c'est normal, ce vieillissement. Voilà. Donc les données, si on compare les données parisiennes aux données mondiales à partir de ce qu'on appelle des taux standardisés, recalculés sur la population mondiale, on peut faire des comparaisons entre pays. Donc la question de vieillissement ne se pose plus parce que les taux bruts sont beaucoup plus élevés. Et donc si on regarde par exemple les taux des deux arrondissements qui sont les plus touchés par le cancer du sein à Paris, c'est-à-dire le deuxième et le huitième arrondissement, là, on est très nettement premier pays au monde. Alors évidemment, c'est totalement absurde de voir le 2e et le 8e arrondissement comme pays indépendant, mais on est dans un taux standardisé de l'ordre de 130, alors que le Japon est à un taux standardisé de 52. Donc on a quasiment 3 fois plus de cancer du sein dans le 2e et le 8e arrondissement qu'au Japon. Donc pays urbain, développé, système de santé... même niveau que le système de santé français, donc ça pose des questions. Et je crois que c'est à partir de là qu'il faut faire l'interrogation, quel est effectivement le rôle de la ville de femmes. Et cette interrogation, elle a été faite par l'OMS dans une réunion qui s'était tenue au Japon, en 2010, Margaret Chan disait, posait la question effectivement, imaginez ce qui se passera quand à cette urbanisation rapide s'associeront d'autres facteurs comme la progression continue des maladies chroniques liées au mode de vie et le changement climatique. Et là, on est au cœur de notre discussion. L'avenir est très préoccupant. Donc, on revient sur l'idée que la vie, effectivement, est un facteur de santé parce qu'on est dans un contexte où la croissance des maladies chroniques modifie ce jugement qui était en fait basé sur les maladies infectieuses, principalement. Donc, dans ce texte, effectivement, qui avait été émis par l'OMS à l'occasion de cette conférence, on trouve des éléments de compréhension. Les cadres de vie urbains ont tendance à décourager l'activité physique, favoriser la consommation d'aliments peu diététiques, et puis les facteurs surpopulation. Donc, Paris, on n'est pas trop mal servi. Densité du trafic routier, usage excessif des transports motorisés, mauvaise qualité de l'air, manque d'espace public et d'installations sportives et de loisirs sécurisés. On a une grande étude, publiée par le Lancet, donc le journal de référence. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez effectivement ce que dit ce groupe de travail qui s'intitule « Construire des villes pour santé, complexité et planning des environnements urbains au XXIe siècle ». On est dans le cœur de notre réflexion. Et on voit bien effectivement que plus le PIB augmente, effectivement, plus la question des maladies chroniques se pose. Et c'est la compréhension, effectivement, de ces inégalités, notamment, qui peut éclairer cet impact. Et le mot « inégalité » était mis dans ce texte, dans les recommandations. Faire attention aux inégalités de santé à l'intérieur des zones urbaines est un point clé quand on planifie, effectivement, un environnement urbain. Donc on est, je pense, dans ce questionnement par rapport à la situation de Paris. Voilà. Donc il y avait effectivement des schémas, là aussi je ne vais pas trop détailler, mais... qui sont intéressants à reprendre en lien avec ce qu'Albert va dire, la connexion entre l'environnement intérieur et la santé, et là c'est le problème effectivement du changement climatique, on isole les locaux d'habitation et on augmente la pollution intérieure si on ne prend pas en considération cette question de la santé. Même chose sur le lien entre transport et santé, on arrive effectivement à un moment de chronic disease. Hein. Voilà. Même chose entre îlots de chaleur urbain et santé, et on est effectivement au cœur de cette question. Donc je reviens sur le cancer du sein, parce que j'ai fait un livre d'ailleurs sur le sujet, voilà, il est là, j'en ai quelques exemplaires, on pourra
si ça vous intéresse, et je ne doute pas que ça vous intéresse d'ailleurs, parce que si ça ne vous intéressait pas, vous ne seriez pas là, le cancer du sein est une épidémie. Alors j'ai mis comme sous-titre, cancer du sein, en finir avec l'épidémie. Et je m'attendais à ce que ça, voilà, ça passe tout ça. Et ça fait la une quand même du Nouvel Observateur, c'était pas trop mal quand même. Et les journalistes, de façon générale, m'ont dit, mais l'épidémie, est-ce que vous n'y êtes pas un peu fort, hein? Or, il suffit de regarder les chiffres. Cancer du sein au niveau mondial, 1,8 million, sida, chez les femmes, 1,2 million. Donc il y a plus de 4 cancers, 50% plus. Nombre de décès, c'est à peu près équivalent. Donc personne ne conteste que le sida soit une épidémie. Mais par contre, curieusement, pour le cancer du sein, non, ça ne serait pas une épidémie. Et quand on regarde les chiffres, alors ça c'est un chiffre, un tableau que j'ai repris du rapport, un rapport récent de World Journal of Disease Cancer, donc vraiment un très gros travail publié donc en 2015, en taux standardisé là aussi. Donc c'est pas calculé sur la population mondiale, en éliminant ce qui est lié à la croissance de la population, et donc au vieillissement, il reste une croissance intrinsèque que l'on voit ici dans les pays en développement. Et dans les pays développés, on a un plateau, en fait, actuellement, mais vous voyez des niveaux qui sont à peu près de l'ordre de 80 pour 100 000. Hein. Et quand on regarde le site Globocan, qui est le site du Centre international de recherche contre le cancer, qui est un site très très bien fait, qui sont les données de 2012, vous voyez les pays qui sont les plus touchés en termes d'incidence. Donc ASR, c'est donc taux standardisé, je le répète, Belgique, premier avec 111, Danemark, deuxième avec un taux de 105, troisième pays des Pays-Bas. Alors les Bahamas, c'est bien ce qui c'est là, mais sinon c'est Islande, Royaume-Uni, donc dans sa version actuelle, Barbade, États-Unis, Irlande, Polynésie française, Allemagne, Italie et France métropolitaine. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le site Globocan nous donne les chiffres aussi, enfin en France métropolitaine et pour les Dom-Tom. Ça nous permet de voir effectivement que la Réunion a un taux de 47. Donc il y a deux fois moins de cancers du sein à la Réunion, même système de santé, même niveau de dépistage d'ailleurs, et néanmoins un taux de moitié moindre. La Grèce 44, le Japon 51. Oui. Et le Bhoutan, alors je cite aussi le Bhoutan, mais quand je cite le Bhoutan, on me dit oui, mais le Bhoutan c'est tellement exotique, on ne sait pas. Sauf que le Bhoutan est un pays qui a un système de santé. Quand une femme a un cancer du sein, on s'en aperçoit. Voilà. Et donc, eux sont à un taux de 5. Alors, pourquoi ils sont à un taux de 5? C'est parce qu'effectivement, au Bhoutan, il y a 40 ans, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Donc, les cancers que l'on a aujourd'hui, c'est les cancers que l'on avait en France du temps de Louis XV. Voilà. Parce qu'en fait, une partie, je vais y revenir après, est liée à l'environnement industriel, une partie à l'environnement moderne. Et quand on regarde, j'ai mis ici la mortalité. Alors, la mortalité, effectivement, aussi effectivement diverses hauteurs géographiques. Mais vous voyez, la mortalité au Japon est de 10, en France métropolitaine de 16, en Belgique de 20. Et Paris se situe à peu près donc, au niveau de la Belgique des moyennes de mortalité. En France, donc, risque d'oublier d'une génération, 50 000 cas, 12 000 décès. Hein, 12 000 décès. Première cause de décès par cancer chez la femme, probablement une femme sur 8, et en termes de décès, une femme sur 30. Et en une génération, le risque a doublé. Alors, l'autre argument que l'on entend, c'est ah oui, mais on le dépiste mieux, donc on dépiste trop d'ailleurs, et donc ça explique. Bon, on a une donnée que le monde s'est procurée, parce que cette donnée, moi je ne l'avais pas quand j'ai rédigé mon livre. Parce que l'INES ne le mettait pas dans le domaine public, et c'est pourtant très intéressant. C'est l'évolution par tranche d'âge. Vous avez effectivement, en 1980, oui, donc tout le monde est à l'indice 100, vous voyez la tranche d'âge 30-39 ans, progression de 65%. 65%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, c'est pas le vieillissement de la tranche d'âge 30-39 ans. Ce n'est pas le vieillissement de la tranche d'âge 30-39 ans, par principe, c'est la même tranche d'âge. Donc ça n'est pas le dépistage, parce qu'entre 30 et 39 ans, il n'y a pas de dépistage. Donc il y a une progression intrinsèque là, de 65% sur une période de 30 ans. Le dépistage, d'ailleurs, est systématisé à partir de 2004. Et on voit une progression aussi chez les 40-49 ans, qui est presque aussi importante, de 58%. Alors curieusement, d'ailleurs, chez les
les catégories qui ont été qui ont fait l'objet du dépistage, ça diminue à partir de 2004. On a en partie l'explication, c'est l'arrêt du traitement hormonal substitutif dont on sait qu'il a joué un rôle important. Donc voilà, ça permet effectivement d'écarter les deux explications, Landla, Bateau, etc., qui vous sont servies, qui fait qu'on me dit, mais non, il n'y a pas d'épidémie, c'est normal. J'ai même, dans une réunion récente d'ailleurs, c'était des professionnels de santé, certains m'ont dit, mais faut bien mourir de quelque chose. Oui, on peut mourir de sa belle mort. On n'est pas obligé de passer par la case cancer du sein et par la case cancer de la prostate, parce que je suis en train de préparer le suivant qui sera sur cancer de la prostate. C'est à peu près la même chose, on en parle encore moins. 9000 morts quand même. 9000 morts par cancer de la prostate. On n'est pas obligé. Et le bouton nous montre là aussi encore, c'est un taux encore plus faible au bouton. Au Japon, c'est encore plus faible, puisqu'on est à 5 fois moins. 5 fois moins en matière de cancer de la prostate, mais je reviens au cancer du sein. On a la preuve que c'est environnemental par des études comme celle-là sur les registres de jumeaux. Alors nous n'avons pas de registre de jumeaux en France. Pourtant, on a des jumeaux, je suppose. Mais heureusement que les Scandinaves en ont. Vous voyez, sur le sein, on arrive effectivement à avoir la part liée à l'environnement partagé, non partagé, et aux facteurs héréditaires. Et on voit que dans le cas du cancer du sein, l'environnement présente 75%. C'est vrai aussi pour les autres cancers, d'ailleurs. On a aussi la preuve que l'environnement est déterminant. L'environnement au sens global du terme. Hein, ce n'est pas la pollution stricto sensu qu'on la voit. Ce sont les études sur les migrants. Alors, il y a une étude très classique, qui est l'étude effectivement sur les migrants japonais, les Japonais ayant migré à Hawaï dans les années 80. Une étude publiée dans les années 80. Donc c'est effectivement les gens qui ont des cancers à cette époque-là, ils sont nés en 1910-1920. Hein. Mais déjà, à l'époque, on voit une différence. Les Japonaises qui ont migré à Hawaï, vous voyez, le taux chez les Japonaises restant au Japon est d'ordre de 300 à peu près. Donc ça, c'est un taux sur calculé d'une autre façon. C'est un taux de mortalité en plus. Hein. Et quand elles passent effectivement à Hawaï, c'est-à-dire un mode de vie américain de l'époque, c'est multiplié par 4. Voilà, multiplié par 4. Et par contre, le bon côté de la chose, c'est que le cancer de l'estomac est divisé par 4. Et on peut faire le même raisonnement quasiment dans tous les cas. On a une étude comme celle-ci, c'est les migrantes sont des Italiennes qui migrent en Australie. Et vous voyez là, assez rapidement, puisque là on est dans la route 5, enfin celles qui sont arrivées depuis 25 ans ont un taux qui est moitié moins, donc qui est le taux effectivement des Italiennes à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui ça s'est rapproché, de celui des Australiennes. Entre 6 et 16 ans, le taux est déjà augmenté de 0,25. Et puis il est le même au bout de 17 ans. Donc on voit bien que ça c'est l'environnement au sens le plus global du terme qui a joué. Alors j'ai regardé effectivement, pour préparer cette réunion, j'ai regardé effectivement les données qu'on avait plus récemment sur les données en ville. Et on trouve une étude tout à fait intéressante qui a été faite en France, mais qui a été publiée de façon très discrète. Mais c'est l'étude faite sur l'accord de la MGEN. L'accord E3N, c'est les personnels de la MGEN. Et donc c'est une cohorte qui existe depuis une vingtaine d'années, oui, 76 000 femmes, plus de 5 000 cas de cancer du sein. Et on voit le fait d'être né en ville augmente le risque. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça conforte l'analyse, et je cite un auteur fameux qui est Hergé, donc pas un auteur scientifique, mais pourquoi je cite Hergé? C'est parce que vous avez cet engin, le phytox. L'importance de l'exposition pendant la grossesse. Alors, pourquoi effectivement vivre en ville effectivement occasionne un surcoût? L'article ne donne pas d'indication. Mais on a une indication qui vient d'une étude publiée récemment par l'École de santé publique de Berkeley sur le DDT. Donc le phytox, c'était ça. On tuait les mouches au phytox. Et moi, je fais partie de cette génération qui s'est amusée à tuer les mouches au phytox. Quand je présente ces diapos, beaucoup de gens me disent « Ah oui, ben nous, notre père, nous mettait du phytox le soir, comme ça, on n'avait pas de moustiques. Les enfants passaient leur nuit dans un bon nuage. » Moi, quand je m'amusais, c'était encore une fois par semaine. Mais là, tous les soirs,
Et les gens étaient encouragés à faire ça, vous voyez, protéger vos enfants. Puis il y avait des publicités, « It is good for me », alors vous voyez, ça, on met sur le même plan la pomme de terre, la vache et la femme, c'est tout le machisme délicat des années 50. Hein. Bon, tout ça, qu'est-ce que ça donne 52 ans plus tard? On a cette étude faite par l'École de santé publique de Berthet, c'est un travail rarissime, parce que c'est une logistique évidemment extrêmement lourde pour monter ça. C'est un suivi en 52 ans de 9300 femmes et 9700 garçons. Moi, je parle de 9300 femmes. On a le dosage sanguin en DDT des mères. Et on regarde, effectivement, 52 ans après, celles qui ont eu un cancer du sein. Donc, il y en a 118 cas de cancer. Et on est à l'âge de 52 ans, on n'est pas à la fin du phénomène. Et on est sans à Paris, il y a 354 témoins. Eh bien, celles dont les mères ont été les plus contaminées ont 3,7 fois plus de cancer du sein, avec un intervalle de confiance très significatif, qui peut aller jusqu'à 9. Le vrai chiffre se situe entre 1,5 et 9. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cancers du sein d'aujourd'hui, pour une large part, ce sont des cancers de la génération DDT. L'utilisation totalement aberrante du DDT des années 50. Alors ça a été, c'est le cas pour les filles, c'est le cas pour les mères également. La même équipe a publié en 2007, là ils avaient comparé si la mère avait moins de 4 ans par exemple en 1945, il y a le groupe le plus contaminé a 10 fois plus de cancer du sein. 10 fois plus. En moyenne, c'est 5 fois plus. Donc vraiment, on peut parler de génération DDT là aussi. Et cette contamination va continuer en agissant sur les chances de survie des malades. Donc c'est interdit depuis 1972. Mais néanmoins, voilà une étude qui a été publiée l'an passé, en 2016. C'est un suivi d'un groupe de femmes en 96-97. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont publié aussi tardivement, mais en tout cas, le résultat est là. Après 5 ans de suivi, celles qui étaient les plus contaminées ont 2,7 fois plus de décès dans les 5 ans. Enfin, vous voyez, c'est l'effet retard-retard d'exposition qui ont eu lieu pendant la grossesse. Donc pendant un temps très court, c'est en fait même le début de la grossesse. Donc, pourquoi Paris est le deuxième pays au monde? Donc c'est intéressant de regarder. Donc c'est le rapport de l'Observatoire régional de santé de l'Île-de-France. C'est accessible sur leur site, analyse spatiale des cancers. Et donc j'ai repris effectivement cette carte. Vous voyez, les taux standardisés sont beaucoup plus élevés que les taux standardisés sur la région Île-de-France. Ce n'est pas les taux standardisés au plan mondial qui sont beaucoup plus élevés. Et on voit effectivement les villes et les arrondissements qui sont les plus impactés. Et donc ça donne ceci, c'est les chiffres que je vais vous donner. Alors, Paris n'est pas seulement concerné, vous voyez, sur les Hauts-de-Seine, c'est Neuilly et Asnières. Bon, Neuilly est réputée pour être une ville plutôt favorisée, hein, vous serez d'accord avec moi, en tout cas. Charenton et Nogent-sur-Marne aussi, voilà. Donc ça touche effectivement des populations plus favorisées. Le 16e arrondissement fait partie effectivement aussi des arrondissements les plus impactés. En termes de mortalité, par contre, on voit effectivement un rapport un peu différent, la Seine-et-Marne étant un peu plus élevée. Donc la mortalité donne effectivement une indication sur l'accès aux soins, sur la qualité des soins. Ce n'est pas la différence en termes de dépistage qui va jouer là. Donc voilà, les taux standardisés, on retrouve effectivement un peu la même carte. Et ce qui est intéressant du point de vue de l'analyse, c'est voir aussi le ratio entre dépistage et mortalité. Et on voit des ratios, des différences importantes entre 0,22 d'un côté, 0,20 et 0,10. Quoi. Donc là, c'est l'accès au système de soins, certainement, qui va jouer. Donc, comment peut-on comprendre ces disparités? Il faut effectivement... ça, c'est ce que j'ai mis dans mon livre. Voilà les effets. J'ai repris ça d'un rapport publié par le Breast Cancer Fund aux États-Unis, qui fait la synthèse des connaissances. Donc on a quasiment tous les facteurs qui vont jouer. Alors on a évidemment l'exposition aux substances chimiques, on va trouver ce qu'on appelle les xéno-œstrogènes, c'est-à-dire des perturbateurs endocriniens. On va retrouver le bisphénol A,
on va retrouver les parabènes, acétophénols, dioxines, la fumée de tabac, parce que le tabac contient effectivement des perturbateurs endocriniens. On va retrouver des DDT ici, voilà, les PCB, certains pesticides, des additifs alimentaires. On va retrouver des substances chimiques qui ne sont pas perturbateurs endocriniens, qui sont des butagènes, comme le butadiène, le benzène. Les HAP, ils ont été classés ici en perturbateurs endocriniens, ils sont les deux en fait. Hein. Et puis des radiations ionisantes, non ionisantes, mais aussi le travail de nuit. Le travail de nuit augmente le risque. Et puis l'exposition aux contraceptifs. Alors, on a le distilbène, qui est bien connu, qui est quasiment le cousin germain du bisphénol d'ailleurs. Historiquement, le bisphénol et le distilbène avaient été testés pour faire une hormone de synthèse. C'est le distilbène qui a été retenu. Et avec le distilbène, on montre aujourd'hui sur la cohorte des enfants distilbène un doublement en termes de cancer du sein. Mais sur le bisphénol n'a pas été retenu pour faire une hormone de synthèse, pour faire un médicament, il a été retenu pour faire une matière plastique. Alors ça peut sembler surprenant de l'extérieur, parce que matière plastique et un médicament, c'est pas la même chose. Il y a un usage noble et un usage beaucoup moins noble. Eh bien, c'est du point de vue de votre organisme, de nos organismes, il n'y a pas de différence. L'organisme, lui, il sait qu'il a un perturbateur endocrinien, peu importe que ça provienne effectivement d'une matière plastique ou d'un médicament. Dans ce cas précis, on a fait, avec le bisphénol, on a fait des biberons en plastique. Hein. En polycarbonate, c'était du bisphénol pur. Donc, c'était pas une très bonne idée de faire un médicament à usage alimentaire avec une hormone de synthèse. En sachant que les polymères, par principe, se dépolymérisent, surtout quand on a la bonne habitude de les passer au micro-ondes régulièrement, ce qui est le cas pour le biberon, hein, si on chauffe, on parle. Donc voilà, là, vraiment, on est dans le principe de l'emmerdement maximum, et on est arrivé à des niveaux de concentration absolument phénoménaux à travers la consommation de lait passé dans un biberon en plastique, et toute une génération a été contaminée de cette façon-là. Donc, autre élément, sédentarité. L'estimation, c'est entre 20 et 40%, donc ça augmente le risque. Le travail de nuit avant la première grossesse, ça double le risque. Alors la génétique ne représente que 5 à 10%, mais l'environnement va jouer encore, ça c'est... Il y a eu un impact médiatique récemment, quand Angelina Jolie s'est fait subir de mastectomie, parce qu'effectivement elle faisait partie de cette fraction de la population qui a deux gènes sensibles. Mais même dans cette population, l'exposition à l'environnement, on démontre que les environnements pathogènes vont accélérer la survenue de ces cancers. Et on est en contact avec une jeune femme de 29 ans qui a fait un livre, enfin une BD d'ailleurs sur son cancer, qui fait partie de cette génération, 29 ans. Donc, alimentation, ça c'est l'étude E3M, l'accord de la MGEN, qui comporte effectivement dans cette cohorte les femmes qui ont baptisé un régime baptisé alcool western. C'est une façon un peu amusante de caractériser ce mode de vie. Alcool western, c'est effectivement manger gras, sucré, boire un peu, pas forcément énormément d'ailleurs d'alcool. Hein, et puis le régime méditerranéen, c'est effectivement le régime crétois, légumes, fromage et consommation modérée de vin. Hein, modérée. C'est pas l'abstinence, hein, c'est une différence importante entre 10 à 35%. Alors on ne sait pas en fait comment tout ça s'influence. Non, on n'a pas d'idée. Mais ça donne effectivement. Alors, substance chimique, perturbateur endocrinien, donc je les ai cités ici. Voilà, ça me permet de faire un focus sur les perturbateurs endocriniens. Alors, comme je pense l'a dit, effectivement, j'ai remarqué que la campagne présidentielle, pour la première fois, parle des perturbateurs endocriniens et que. Trois candidats, au moins dans les cinq grands, proposent de les interdire. Donc pourquoi ? C'est qu'il y a un changement de paradigme qui fait que ça a été codifié par l'Endocrine Society, qui a été de référence dans le monde, qui fait qu'on considère ce mécanisme agit de façon très différente du mécanisme classique, qui est celui de la mutagénicité. Un, la période fait le poison, c'est la sensibilité. La période notamment de gestation et au début de la grossesse, c'est-à-dire au moment de la formation des organes. Deux, l'effet peut être plus fort à faible dose que forte dose, parce que c'est la façon dont est régulé le système hormonal.
Et ça, c'est très surprenant, parce que ça va à l'encontre du bon sens, ça va surtout à l'encontre, d'ailleurs, de la réglementation actuelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas gérer par la dose, puisque... Bon, merde, évidemment, j'ai un exemple. J'ai une autre diapo, d'ailleurs. C'est pas sur celle-là. Sur des cellules testiculaires, de bisphénol, deux doses différentes en rapport de 1 à 10 millions. Ouais, 1 à 10 millions, c'est 1 mètre et 10 000 km. Hein. Donc c'est quand même très différent, vous voyez les doses. Même effet de stimulation de la croissance des cellules. Même effet. Effet cocktail, alors ça c'est pareil, ça ne maîtrise pas, mais on sait, on vérifie dans un certain nombre de cas, pas systématiquement. On peut avoir des effets extrêmement importants de ce point de vue-là. Latence entre exposition et effet. L'effet survient, il n'y a plus de trace directe. Mais il y a une trace indirecte. Et ça, on en parle de plus en plus. Ça commence effectivement à être mis dans le débat public. C'est ce qu'on appelle une modification de l'épigénome. C'est l'expression des gènes qui est impactée. Et on sait effectivement qu'on a un effet cumulatif potentialisé éventuellement de stress chimique, stress nutritionnel et même stress affectif qui impacte l'expression des gènes. Donc il n'y a plus de traces quand on en ce qui concerne le bisphénol, par exemple, il n'y a plus de traces directes, mais il y a une trace indirecte qui est un impact sur l'expression des gènes. Et là, on va faire une conférence de presse la semaine prochaine, enfin, je vous en parlerai parce qu'on a lancé une pétition qui s'intitule « Aucun bébé ne doit être prépollué ». Donc, parce qu'effectivement, il faut mettre dans le débat public cet enjeu, compte tenu du niveau de contamination des femmes enceintes aujourd'hui, il y a un risque important pour les générations qui naissent aujourd'hui d'avoir cette exposition. Et on va rendre public les résultats d'une étude qui a fait l'objet d'un article dans PLOS ONE, qui est une des grandes revues de toxicologie, de biologie, qui montre effectivement un lien entre schizophrénie chez les enfants d'Istibène et perturbation de l'épigénome. Donc ça, ça a été mesuré, c'est un travail, c'est la première fois que c'est mis en évidence. Donc, sur une cohorte d'enfants qui a été collectée, formée par une association qui est membre de notre réseau. Dernier point, l'effet transgénérationnel. Donc, c'est des effets qui peuvent être sur trois générations. Enfin, c'est pas uniquement sur une seule génération. On a des effets sur l'infertilité, notamment. Vous donnez du bisphénol à des rats gestantes. Vous faites de l'infertilité, une baisse de la qualité du sperme chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils. Sur trois générations. Et là, ça n'est plus l'exposition directe. C'est bien le message qui est rentré, qui est mis sur l'épigénome, qui est transféré de génération en génération. C'est effectivement, ça pose effectivement énormément de questions, parce que quel héritage toxique nous transmettons à nos enfants, nos petits-enfants. Donc ces perturbateurs endocriniens, on les trouve effectivement dans une multitude d'usages. Donc il y a des grandes familles, hein, donc, on les trouve dans les additifs matériaux d'usage alimentaire, dans les pesticides, dans les cosmétiques, avec des pourcentages qui vont varier, mais qui sont pas négligeables. On les trouve dans les produits d'entretien, dans les matériaux textiles, matériaux électroniques, meubles textiles, dans l'eau, notamment, et dans les dispositifs médicaux, ce qui est totalement absurde. Les populations les plus exposées aux phtalates actuellement, ce sont les prématurés et les dialysés. Ils vivent dans un environnement de matière plastique et comme on utilise un phtalate comme plastifiant, en fait, parce que ça, on peut faire autrement, hein. Mais on a des mesures de tout ça. Donc, j'ai cité le bisphénol 1, voilà ce qu'on pouvait déjà dire en 2006. Le lien bisphénol, cancer du sein, cancer de la prostate, diabète type 2, obésité, atteinte de la reproduction, problèmes comportementaux, maladies cardiovasculaires, et tout c'est en train d'être vérifié dans des études épidémiologiques chez l'humain. Alors on fait des tumeurs mammaires chez la souris avec une dose de 0,025 microgrammes par kilo. C'est, la population humaine est exposée à peu près en moyenne à 0,4-0,5. Donc on est au-dessus de ces normes. On fait de l'obésité. Voilà, j'ai pris le distilbène parce que là j'avais une photo. Mais on voit l'obésité chez les filles exposées au perfluoré PFOA. Là, c'est un effet transgénérationnel, c'est l'exposition maternelle qui se traduit par cet effet chez les filles. Cancer du sein et PCB, donc ça, c'est une contamination qui démarre dans les années 20. En fait, les PCB, c'était effectivement utilisé comme retardateur de flamme dans les transformateurs. Voilà. Et donc, on a une donnée récente qui est intéressante, qui fait un sigma, qui met
qui arrive à calculer la charge totale en xéno-œstrogène. Et là, on a un effet encore plus significatif du point de vue lien avec le cancer du sein. Et puis ça agit sur l'efficacité thérapeutique, ce qui est assez logique, c'est un perturbateur endocrinien. Donc ça va effectivement empêcher, diminuer l'efficacité du traitement du cancer. Et on retrouve effectivement, ça explique les données que l'on a vues sur le DDT notamment, qui a le même mode d'action. Traitement du cancer du sein, cancer de la prostate et même de la fécondation in vitro. Voilà, donc quel est le rôle de la ville dans tout ça, en fait, hein? On voit bien effectivement l'importance des positions de courte durée mais pendant la grossesse. Mais la ville va fournir un environnement qui va soit effectivement favoriser, soit elle sera défavorable de ce point de vue-là. Et c'est le travail qu'il faudrait faire. Je ne vais pas répondre à la question que j'ai posée. Pourquoi Paris est le deuxième pays au monde? Ma réponse est que je n'en sais rien. Voilà. Je n'en sais rien, mais on peut faire quelques hypothèses à partir de ce que l'on sait sur le cancer du sein. On voit effectivement ce schéma qui a été fait par l'équipe Opère et Charère. Le rôle d'environnement bâti, le rôle d'environnement social et les pratiques d'alimentation et d'activité physique. Mais les niveaux de contamination chimique aussi. Les niveaux de pollution atmosphérique. Voilà, les résultats de l'enquête AFECOM qui font autorité. Aujourd'hui, on parle évidemment en termes de maladies cardiovasculaires, hein, principalement. Voilà la répartition du NO2 à Paris. Mais en préparant cette conf, j'étais voir ce que l'on avait actuellement, j'ai trouvé cette publication sur le rôle de la pollution. Donc on voit effectivement, étude faite au Canada, un lien, spécialement chez les femmes préménopausées, donc les femmes plus jeunes, et un lien qui est significatif, à la limite de la significativité quand même, hein, pour les post-ménopause, mais quand même un lien mis en évidence. Et puis cette autre étude sur le lieu de résidence, avec un lien pour certains types de cancers, hein, qui répondent effectivement aux récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. Un lien avec un autre. Donc c'est peut-être certains types de cancers par rapport à d'autres. C'est intéressant d'analyser plus finement les choses. Et puis là, quand on regarde la sédentarité, voilà une donnée que j'ai reprise dans un rapport de l'Observatoire régional de la santé de France. C'est très frappant de voir effectivement le lien entre sédentarité et niveau de diplôme. Évidemment, la région Île-de-France est une région qui concentre les populations les plus diplômées, et on voit effectivement des différences très nettes. Même pour les 18-34 ans, entre Île-de-France et hors Île-de-France. Alors, là, ce qui a été pris comme limite, c'est 4 heures assis ou allongé sur le niveau d'activité physique. C'est pas une habitude du classique, mais ça donne quand même une indication. On voit la différence très nette entre Île-de-France et autres régions. Et selon le niveau de diplôme, il y a une différence. C'est un début d'explication, effectivement, de la situation à Paris. Certainement aussi un lien qui est très lié, évidemment, avec la profession. J'ai repris un rapport fait par le Breast Cancer Fund aussi sur le lien travail et cancer du sein. Ce que dit ce rapport, les populations dont on sait de façon forte, hein, consensus scientifique sur ces professions, les infirmières jusqu'à 50% plus, un taux de 50% plus élevé que la population en général, les enseignantes. Et là, on voit bien que sur des professions comme ça, où les avocates et les journalistes, jusqu'à 4 fois. Alors, technicien de radiologie, ça, on comprend, c'est l'exposition aux radiations ionisantes. Les expositions, les travailleuses exposées effectivement au solvant, bon, là aussi, on comprend. On comprend moins bien effectivement pour d'autres professions. Les professions pour lesquelles on a déjà des données qui montreraient un risque un peu plus important, on va trouver effectivement à la fois des professions. Là, on comprend bien, on peut comprendre en tout cas que les coiffeurs notamment sont un peu plus exposés. Les personnels navigants, là, ça peut être certainement le travail de nuit notamment.
Par contre, effectivement, les médecins, voilà. Donc, les policiers, les pompiers. Donc, et là, ce que dit ce rapport, c'est, en s'appuyant sur de la littérature, hein, c'est pas simplement une discussion comme ça, c'est simplement l'effet d'âge du stress. Et dans les générations de femmes qui ont accédé à des postes de responsabilité occupés par les hommes, on peut effectivement penser que là, ça a pu jouer, mais ça mérite évidemment d'être confirmé. Donc voilà, donc je ne te réponds pas à la question. Mais je pense que la question, en tout cas, mérite d'être posée. Et moi, ce que j'attends, effectivement, de notre discussion et de notre coopération avec la Fondation AIA, c'est qu'on puisse poursuivre cette réflexion. Comment la ville, finalement, concentre des professions. Alors, premier au deuxième arrondissement. Donc, on a présenté ces résultats à la mairie du deuxième. Et qui n'était pas au courant. Donc, ils ont appris déjà. Dans les champions du monde, ils ont appris qu'ils étaient les champions du monde. Et on va développer effectivement une campagne avec eux sur cette question-là. Et ce que je disais, la directrice de cabinet de Jacques Boutot, du maire Jacques Boutot, mais nous, on est l'arrondissement de la presse. Et donc, il se trouve que l'adjointe à la santé, le deuxième arrondissement, le petit médecin du travail à l'agence France Presse, donc comme ça, on va réfléchir un peu à tout ça. Mais effectivement, il me dit, mais effectivement, les gens ont tendance à habiter sur place, compte tenu effectivement de ce qu'est le travail des journalistes et de leur statut assez incertain. Et donc, on voit population, effectivement, exposer un certain nombre de stress. Voilà, ça, c'est une première piste. Alors, je ne donne pas de réponse non plus, hein, mais quand on voit les disparités, moi, ce qui doit nous motiver, mais on pourrait faire la même démarche pour d'autres cancers, hein, mais celui-là, je pense que on a beaucoup de données qui montrent. On ne peut pas rester indifférent quand on voit les différences entre pays. Voilà. Quand on voit les données que j'ai montrées sur les migrants, on peut effectivement faire reculer. Il n'y a pas de fatalité dans ce domaine. On doit pouvoir faire reculer. Je pense que la réflexion sur la place de la ville dans cette affaire est tout à fait importante pour essayer de, un, de comprendre et deux, d'agir. Voilà ce que je voulais dire dans cette présentation. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'aborder la question de manière un peu plus large, hein, sur les problèmes d'urbanisme, tout en mettant à la fin la focale sur Paris et la politique urbaine de Paris par rapport à deux domaines, la lutte contre la pollution atmosphérique et la lutte contre le changement climatique. Alors, dans le précédent travail que j'avais fait, et qui s'intitule l'entreprise d'urbanisme santé, que j'avais publié en 2003, j'avais essayé d'étudier les rapports entre urbanisme et santé, et voir comment les crises sanitaires, d'une façon générale, ont été à l'origine de la naissance de l'urbanisme, pas seulement les crises sanitaires, mais en tout cas pour une bonne partie, à l'origine des crises sanitaires, et de leur évolution également. J'avais pour cela donc isolé deux grandes crises sanitaires successives au XIXe siècle, au cours du XIXe siècle et du XXe. Au XIXe siècle, c'était évidemment les épidémies de maladies infectieuses, dont le choléra, qui a semé la panique dans la population, et à cette époque-là, la médecine n'avait aucune réponse, ni aucune compréhension de ce phénomène, d'ailleurs. Même le grand Pasteur ne comprenait pas ce que c'était. Et ça a été l'urbanisme d'assainissement et de régularisation d'Haussmann qui a permis, en bonne partie, d'éradiquer le choléra et d'en venir à bout. Hein. Donc ça a été la première étape. Ensuite, les épidémies... On se sont poursuivis, on connaissait bien les bactéries, on connaissait les virus, etc. On les a découverts les unes après les autres, mais on était encore démunis de moyens thérapeutiques. Il faudra attendre après la guerre pour que tous les moyens thérapeutiques soient découverts et mis en œuvre, comme les vaccins, la pénicilline, les antibiotiques, etc. Donc la seule réponse qu'on avait pour la tuberculose, par exemple, c'était le sanatorium. C'était une réponse spatiale. Hein. Et donc l'urbanisme moderne est né aussi de cette idée, donc, de venir à bout des maladies infectieuses à travers
des solutions spatiales, environnementales, hygiénistes, fonctionnalistes, dont la charte d'Athènes a été le modèle le plus parfait, hein, en 1933. Et en même temps, aux États-Unis, un contre-modèle à la charte d'Athènes avait été élaboré également, de la ville diffuse, de la ville étalée, de la ville, dans la nature, qui était le modèle de Frank Lloyd Wright, donc dans de Disappearing City, en 1932. Donc voilà, c'était un peu les deux grands modèles de cette époque-là, des années 20-30, donc mis en place, et qui, avec un peu plus tard l'État-providence, la sécurité sociale, etc., ont été à l'origine de la première révolution de la santé publique. Et je disais bien, donc, quand je ne m'étais pas rendu compte, quand j'avais fait ce travail-là, qu'en fait, ces solutions urbanistiques qui avaient été proposées à ce moment-là vont être à l'origine de nouveaux problèmes sanitaires, vont engendrer des nouvelles crises sanitaires. Ce qui va être mis en place à cette époque-là, c'était un urbanisme carboné, une ville carbone, c'était ce qu'on recherchait à cette époque-là, c'est une adaptation de la ville aux énergies fossiles, en fait. Il faut bien voir ça, donc les énergies fossiles, les unes qui vont apparaître les unes après les autres, donc le charbon, le pétrole, le gaz, mais qui ne se succèdent pas, mais au contraire se cumulent. Je veux dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant consommé de charbon qu'auparavant. Donc la suite de cette évolution de l'urbanisme depuis 60, donc elle est connue, je la donne très rapidement, que ce soit le Tim Ten dans les années 60-70, dans l'exemple de Toulouse de Mirail, l'urbanisme des réseaux avec le SDO de la région parisienne, par exemple, avec le grand plan de Delouvrier pour Paris autour des autoroutes, des routes, et du RER, le postmodernisme qui remet en question le modernisme et qui se traduit à travers surtout les villes nouvelles en France, dans 50 ans en Yvelines, avec par exemple le projet que vous connaissez de Versailles pour le peuple, de Beaufil, le new urbanisme américain, dont on peut voir une des réalisations en Marne-la-Vallée, Val d'Europe, et puis le suburbanisme qui donne lieu à la périurbanisation. La périurbanisation, donc, qui est cet étalement urbain qui est à l'origine du développement excessif de la mobilité qu'on connaît, puisque en 2011, plus du quart de la population vit dans le périurbain. C'est la plus forte croissance territoriale qu'on a connue, par rapport à la banlieue et au centre, il y a plus de 62% donc, de croissance territoriale, et l'artificialisation des sols qu'elle entraîne, c'est à peu près un département français qui disparaît tous les 7 ans, entre 7 et 10 ans. Donc vous voyez, c'est assez énorme. Pendant ce temps-là, cette même période-là, une consommation d'énergie fossile qui devient exponentielle, et de non renouvelable, exponentielle, plus de 40% entre 1990 et 2008, et tout cela dans un moment où la crise écologique et la crise environnementale va apparaître, tout en parallèlement à la transition épidémiologique dont on parlait tout à l'heure. Alors, 72, c'est le premier ministère de l'Environnement, 87, c'est le rapport brûlant sur le développement durable, la création du GIEC en 88, en 92, le premier sommet de la Terre à Rio, en 94, la charte d'Albor sur la ville durable, avec les premiers écoquartiers, dont Vauban, le fameux écoquartier de Vauban à Fribourg en Allemagne, en 97, le protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre, etc. En tout cas, entre 2000 et 2030, les prévisions des maladies non transmissibles vont passer de 60 à 88%. Alors que les maladies infectieuses, elles, vont diminuer de 40% à 12%. D'où la grande interrogation de l'origine dont on parlait tout à l'heure, André, l'origine de cette transition épidémiologique, de cette recrudescence et de cette explosion des maladies chroniques. Alors, la ville, c'est à la fois le problème et la solution à la crise. C'est mon hypothèse, c'est la grande hypothèse que je vais essayer de développer ici. Donc, on a d'une part, vous le savez, donc une explosion urbaine énorme. Donc, en 2007, un cap a été franchi, plus de 50% de la population vit dans les villes. En 1950, seulement 30%. En 2030, elle passera à 60%.
Et en même temps, l'extension des mégalopoles, hein, c'est un pays de plus de 10 millions d'habitants qui de 1950, où il n'y en avait que deux, passent aujourd'hui à 28 et seront demain plus de 41. Donc ce qu'il faut bien retenir aujourd'hui, donc, c'est cette concentration urbaine-là fait que 75% des énergies fossiles sont consommées par et dans les villes. Ce qui veut dire qu'entre 75% et 80% des gaz à effet de serre sont émis par les villes. Donc, vous voyez donc ce constat très important. Donc, vous voyez sur quoi il faut agir aujourd'hui. Alors, les émissions de gaz à effet de serre par grand secteur urbain, là, ici, je donne l'exemple, donc transport, bâtiments à la fois tertiaires et résidentiels. Les traitements des déchets, l'industrie donc pour Paris, pour l'Île-de-France, pour la France générale, pour le grand secteur urbain, vous voyez comment les gaz à effet de serre sont émis. Alors, les conséquences de la combustion de ces énergies fossiles, hein, qui entraînent donc cet oxyde de carbone et les émissions des gaz à effet de serre, sont la pollution des milieux et des écosystèmes par les hydrocarbures, et deuxièmement, le dérèglement climatique par les gaz à effet de serre. Alors, la pollution des milieux et des écosystèmes, elle se traduit donc par la contamination de tous les milieux, que ce soit le sol, l'eau, l'air, la biodiversité qui est touchée, les océans en particulier. Hein, imaginez que la pollution plastique des océans, c'est quelque chose à la fois de colossal, hein, qui touche presque... on parle du 7e continent, et en 2050, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans la mer. Hein, et le plastique, c'est un dérivé direct du pétrole, hein, dont on a vu tout à l'heure les conséquences et les usages qu'on en faisait pour tous les contenants, les emballages, etc. Les plastiques sont présents partout, et on sait qu'ils sont de plus en plus porteurs de perturbateurs endocriniens. Donc imaginez ce qui se passe dans les océans. Et l'OMS a déclaré en 2013 que la pollution atmosphérique qui se traduit à travers les particules fines, les dioxydes de carbone, l'ozone, etc., sont cancérigènes certains. En 2013. Donc on a une certitude à partir de nos travaux qu'il y a là une relation de cause à effet directe entre la pollution et les cancers qui se développent sur le plan respiratoire, développement des poumons, cancer des poumons et cancer également les maladies cardiovasculaires. Donc le tiers de la population est exposé à la pollution par le trafic, ça c'est connu, qui est également responsable de plus de 50% du NO2. Le diesel en France particulièrement représente plus de 62% du parc auto, hein, le diesel qui est extrêmement chargé de particules fines, hein, et très polluant. Alors qu'il n'était que de 16% dans les années 90. Hein, vous voyez un petit peu la promotion du diesel qui a des faits de conséquences et l'irresponsabilité des pouvoirs publics dans ce domaine-là, hein, et leur non-volonté d'agir aujourd'hui sur ce plan. Également, la question du chauffage bois se pose, puisque le chauffage au bois est la première source d'émissions de particules fines, qui représente près de 40%. Donc il faut améliorer à tout prix les chaudières au bois, les chaudières collectives qui utilisent le bois mince, etc. Donc le dépassement des normes régulières de la France sur tous ces polluants-là fait qu'elle est poursuivie depuis un certain nombre d'années par la communauté européenne. La Cour des comptes a chiffré que le coût sanitaire de cette pollution s'élève à 30 milliards d'euros. Et un rapport du Sénat de 2015 récent a chiffré le coût global sanitaire, économique, social, etc., à plus de 100 milliards d'euros. On est compte un petit peu l'enjeu économique que ça représente. Alors, la question du dérèglement climatique, ensuite, par la gaz à effet de serre, est également un énorme défi qui se pose à la planète, d'une façon générale. On assiste aujourd'hui à l'apparition d'une nouvelle ère géologique que certains appellent l'Anthropocène. C'est la première fois que l'homme est devenu un agent perturbant et un agent façonnant la planète, hein, et détruisant la planète, hein, et en même temps
entraînant des mutations géologiques dans la planète. Donc, d'où le terme d'anthropocène qui est discuté aujourd'hui, mais qui relève bien cette question-là. Et cela date depuis la révolution industrielle. Donc, l'augmentation de la température de la planète régulièrement et les perspectives catastrophiques de cette augmentation a entraîné, vous le savez, personne dans le rapport du GIEC et à la COP21 récemment à Paris en décembre 2015, plus de 195 États signataires ont signé donc pour limiter la hausse de la température à moins de 2 degrés pour la fin du siècle. Les impacts sanitaires du dérèglement climatique, du changement climatique sont connus. Ils sont à la fois directs et indirects. Les impacts directs, ce sont les vagues de chaleur, les canicules, la sécheresse, tempêtes, grands froids, inondations, etc. Et les impacts indirects sont la raréfaction et la pollution de l'eau, la pollution de l'air, les maladies infectieuses, le retour d'un certain nombre de maladies infectieuses comme le paludisme, l'extension des maladies vectorielles, et tout cela en fonction de la vulnérabilité urbaine, puisque selon la disparité régionale, les inégalités sociales, etc., tout cela va se répartir différemment. Et de même que la densité, la végétation existante dans une ville intervient également comme facteur de vulnérabilité. C'est le fameux phénomène d'îlot de chaleur urbain et des canicules. Alors, pour être plus précis, l'identification de ces risques sanitaires liés au changement climatique sont les suivants. Donc, l'augmentation des températures, des précipitations, donc, entraîne des maladies vectorielles qui sont véhiculées par la dengue, les cigales, la chikungunya, le mal de Lyme, les allergies, l'asthme, etc. Les conditions climatiques extrêmes entraînent des blessures, des accidents, des diarrhées, la malnutrition. L'immigration également, très important. Un rapport de l'ONU de 2013 chiffre à 22 millions les réfugiés climatiques et ils seront 250 millions en 2050. Vous voyez un peu les problèmes que ça pose. Et des problèmes également de tuberculose, de santé mentale, d'infection, de maladies vectorielles qui sont tout aussi induits par ces migrations. Et puis les pollutions dont on parlait au début, donc, avec les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, etc., les cancers. Alors, il y a ce qu'il faut voir aussi, bien entendu, c'est qu'il y a une interaction étroite entre le climat et la pollution de l'air. Le climat agit sur la pollution et la pollution agit sur le climat. Ils sont en interrelation étroite tous les deux. Donc l'augmentation de la concentration d'ozone, désertification et émission des particules fines, l'ozone est aussi un gaz à effet de serre, on le sait, et puis les particules fines ont aussi un effet refroidissant. Donc météo et pollution agissent de concert sur la santé. D'où l'importance d'avoir des politiques cohérentes qui articulent air et climat avec la santé. Alors là, je passe rapidement, c'est le classement des pays les plus émetteurs de CO2. Également ici, je passe rapidement par manque de temps, donc pour les objectifs généraux qu'il faut faire pour limiter le changement climatique, le problème de la résilience urbaine. En France, la loi sur la transition énergétique votée en 2015 avec ses grands objectifs généraux et sur lesquels la France est malheureusement très en retard en ce moment, et c'est scandaleusement scandaleux qu'elle le soit, donc malgré toutes les promesses présidentielles qui sont faites, et idem les actions sectorielles qui sont menées sur les différents secteurs urbains. Et puis les actions, alors il y a toute une série d'actions, d'idées, de pratiques urbanistiques alternatives qui se développent par des mouvements citoyens, par des organisations internationales, etc., pour lutter notamment contre le changement climatique. Alors, j'en donne quelques-unes ici. Depuis 1984, le mouvement LC City Movement, un mouvement anglo-saxon, qui va donner naissance un peu plus tard, en 1986, au mouvement Ville Santé de l'OMS. Le New Urbanisme, qui reprend en charge la question et la problématique de la ville santé. Le mouvement EPI, très important, donc qui est une organisation internationale de conseils locaux pour les initiatives environnementales.
La vie durable européenne en 1994, et puis en Italie, le mouvement Città Slow en 1999, qui se développe non seulement en Italie, mais qui commence maintenant à se répandre en Europe. La ville en transition, qui est un mouvement anglais de Rob Hopkins, donc né en Angleterre, donc la petite ville de Totnes, hein, qui est exemplaire sur ce plan, et qui se répand aujourd'hui de plus en plus. Un documentaire très intéressant a été fait récemment par Monique Robin sur une petite ville d'Alsace dont je n'arrive jamais à me rappeler le nom, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?», hein, qui montre comment cette petite ville prend en charge cette question de la ville en transition et comment elle affronte la question climatique. Et puis les territorialistes italiens, pardon, ce sont... également, c'est un mouvement d'urbanisme durable très important en Italie, par son élaboration théorique, qui prône la biorégion urbaine, hein, Alternativa, un mouvement né dans le Pays Basque, et qui mène des actions spectaculaires pour attirer l'attention sur la question climatique. Donc voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais vous voyez qu'il y a toute une série de mouvements qui se développent pour... justement, attiré sur cette question-là, la question climatique. Alors j'en viens maintenant à Paris, la focale sur Paris, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Paris fait par rapport, par exemple, à la pollution de l'air, dont on sait qu'elle tue presque 2500 personnes par an, 6500 en Île-de-France, et qu'elle réduit de 2 ans l'espérance de vie en France. Donc les mesures générales qui sont prises pour lutter contre cette... la pollution de l'air et ses effets, c'est de diminuer bien entendu la circulation, faire baisser le nombre de véhicules circulants, hein, empêcher et embêter les automobilistes. On connaît cette politique qui est menée par Paris, par la mairie d'Alco. Et l'objectif donc aussi, c'est de manière positive, de promouvoir la mobilité durable avec le développement du covoiturage, autopartage, autolib, etc., de voitures électriques et du transport en public, de l'intermodalité, des pistes cyclables, etc. Tout cela reste encore à développer. La fermeture des voies sur berge, hein, et la piétonnisation, donc c'était une action courageuse et très, très, très importante qui a été menée là, pour plus de 3,5 km qui ont été fermés. Hein. La circulation alternée qui est instaurée quand il y a des pollutions, récemment la vignette critiquaire, la fin du diesel qui est annoncée pour 2020 avec 25% de bus propres, hein, qui circulent à l'hybride, au gaz ou au voile électrique, et puis le développement des espaces verts. Alors, sur le climat, la politique urbaine alors, qui est menée, donc, il y a toute une série de plans qui ont été mis en place par la ville depuis un certain nombre d'années, des plans anti-pollution, plans vélo, plans piétons, plans climat-énergie, plans biodiversité, démarches ville intelligente, plans alimentation durable, plans mini-immeubles. Récemment, un plan santé-environnement a été élaboré qui est valable pour la période 2014-2020 et pour lutter contre la canicule qui a marqué Paris, si vous vous rappelez, donc en 2003, où il y a eu plus de 15 000 morts en France. Donc deux plans ont été mis en place, les plans IPCA et URCA pour lutter contre la canicule. Alors, outre ces plans-là, ces différents plans, des mesures sectorielles sont prises pour accélérer la transition écologique énergétique, la piétonnisation dont je parlais, le plan biodiversité, la végétalisation des toits, l'économie circulaire sur l'agriculture urbaine, etc. Tout ça, ce sont des objectifs que la mairie s'est imposée avec, pour 2020, la rénovation thermique de plus de 4500 logements sociaux, hein, très important cette question de rénovation thermique parce que énormément de bâtiments sont des passoires thermiques, hein, qui consomment énormément d'énergie. Les énergies renouvelables, la volonté d'arriver à un niveau de 30% d'énergie renouvelable, en tout cas pour l'éclairage public, hein, qui permettrait d'être utilisé dans l'éclairage public. Les toits végétalisés, 100 hectares de toits végétalisés, 30 hectares d'espaces verts nouveaux, pour le transport, en finir avec le diesel, et puis
25% de bus propres. Alors, d'après, mais tout cela, bon, ce sont effectivement des mesures particulières, sectorielles et précises, mais ce qu'on peut dire et reprocher peut-être, et qui est contradictoire avec ce que la politique, politique générale de la ville de Paris, c'est que parallèlement à cela, la ville de Paris met une politique de densification intense du bâti à Paris. Pourquoi ? Parce qu'elle veut résoudre la question des 120, 100 ou 100 000 ou 120 000 logements sociaux qui manquent à Paris. Est-ce qu'elle arrivera à trouver les terrains nécessaires pour pouvoir le faire ? J'en doute. Alors elle réalise des opérations ici et là, et toutes ces opérations qu'elle fait ne contribuent finalement à détériorer la qualité environnementale de Paris d'une façon générale. Donc je rappelle, le PLU de 2016, il a pour objectif de construire 10 000 logements par an et d'interdire les parkings dans les nouveaux logements. Sur le périphérique, on peut l'observer, il y a une construction intensive à toutes les portes, et la fameuse tour triangle est prévue dans quelques années à la porte de Versailles. Il y a une opération qui s'appelle Réinventer Paris, qui a été faite l'année dernière avec une grande exposition à l'Arsenal, qui a consisté pour Paris à vendre 23 parcelles à des privés pour en faire ce qu'ils veulent. Et puis, il y a une étude qui a été menée par la ville de Paris, La Pure, pour surévaluer les bâtiments de 2-3 étages et les augmenter à 6 étages, et qui représente à peu près 8,5% du parc de Paris. Il s'agit donc vous voyez que face à cette politique de densification, il y a en même temps une politique de végétalisation qui est insuffisante. On réalise des jardins, mais ce sont des petits parcs, ce sont des petits qui ne sont pas suffisants par rapport aux besoins de la population et aux besoins et à l'effet bénéfique même que les espaces verts peuvent avoir comme impact sur la pollution, sur le climat. Donc il faut bien avoir en tête, et c'est ce que j'essaie de répéter constamment dans tous les papiers que j'écris, les interventions que je peux faire, c'est que Paris a une densité très forte par habitant. 214,4 habitants à l'hectare. C'est la sixième ville mondiale après Dakar, Manille, Le Caire, Shanghai et Mumbai. Donc une densité urbaine, une densité d'habitants très forte. Et d'autre part, c'est la ville qui a le ratio d'espace vert par habitant le plus faible de France et d'Europe. Hein, puisqu'on a seulement 5,8 mètres carrés par habitant. Hein, et si on ajoute les deux bois, 14,5 mètres carrés. Donc vous voyez que le problème que pose à partir de ces deux points-là, on doit avoir sans arrêt en tête pour penser à une capitale viable et durable. Donc je disais que la solution ne peut se trouver. C'est la question du logement, ne peut être résolue, pardon, que dans le contexte du Grand Paris. Aujourd'hui, hein, dans cette nouvelle métropole qui a été créée depuis cette année, depuis 2017, depuis le 1er juin 2017, c'est à l'intérieur de cette nouvelle ère métropolitaine qu'on devrait résoudre la question du logement, et il faut, et non pas s'acharner à trouver cette solution à l'intérieur du Paris intramuros. Alors, quelle solution ? Je conclue. Quelle solution ? Donc, je rappelle, je disais que mon hypothèse était que la ville est le problème et en même temps la solution. Donc, je disais donc au départ que l'urbanisme a inventé comme modèle urbain, comme modèle urbain depuis les années 20-30, c'était un urbanisme fonctionnant aux énergies fossiles. C'est un urbanisme essentiellement basé sur les énergies non renouvelables. Donc comment passer de toute la question à nous qui se pose à nous aujourd'hui, comment passer de la ville carbone à la ville post-carbone ? Comment adapter la ville aux énergies renouvelables ? Donc voilà, l'objectif qui se pose à nous les architectes, de la même manière, je pense que comme les architectes et les urbanistes des années 20-30 se posaient la question
comment adapter la ville aux énergies non renouvelables. Pour nous, la question se pose aujourd'hui, comment adapter la ville aux énergies renouvelables. Donc il y a tout un effort énorme pour penser et organiser cette ville-là. Donc il faut penser donc, à un urbanisme décarboné. Et pour cela, donc, bien entendu, faire une transition urbaine et une transition énergétique. Et cela est possible, pourquoi ? Parce qu'il y a un scénario, c'est le scénario Négawatt, hein, qui propose 100% de renouvelables pour 2050. Hein, un scénario qui a été récemment présenté en janvier 2017. En partant du constat que la consommation d'énergie a beaucoup baissé en France, de 4,6% entre 2003 et 2015, ce qui rend optimiste Négawatt, hein, pour faire son scénario, basé sur trois points, sobriété, donc divisé par deux la consommation d'énergie finale, deux, l'efficacité, donc isoler les bâtiments, des équipements électriques intelligents, mixité fonctionnelle, réduire les distances domicile-travail, etc., toute une série de mesures aussi urbaine, et puis, bien entendu, développer les énergies renouvelables, investir dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire dérouter les flux financiers vers une économie décarbonée. Hein, aujourd'hui, qui malheureusement vont vers le pétrole, il faut aller vers les énergies renouvelables. Donc il faut promouvoir ces énergies renouvelables, et aujourd'hui, de plus en plus, on constate qu'elles deviennent performantes et même concurrentielles par rapport aux énergies. Donc, Négawatt pense que 400 milliards d'euros d'économies pourront être faites à partir de ça et 500 000 emplois pourront être créés grâce à ce scénario. Donc, en conclusion, je dirais que la ville post-carbone, c'est la condition pour la deuxième révolution de la santé publique. Et je vous remercie. Question. Ah. J'ai bien un peu de mes yeux, merci. Oui, bonsoir, Zora Genadi. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier pour ces deux présentations instructive et intéressante. Sur la première, j'avais quelques remarques et questions. Quelle est la spécificité de Paris et en particulier des deux arrondissements cibles que vous avez cités par rapport aux grandes métropoles mondiales et au regard de la problématique du cancer du sein? Je présume, et vous allez probablement me rectifier, que c'est une question excusez-moi, j'ai essayé d'écrire dans le noir en même temps. Je présume en fait que ce constat que vous avez présenté ce constat à nos futurs candidats à la présidentielle. Je voulais m'en assurer, en tout cas aux principaux. En tout cas, vous l'avez évoqué. Et je voulais savoir si cela avait été fait, parce que c'est extrêmement alarmant, si je puis dire. Ensuite, vous avez évoqué la question d'initiatives locales, en particulier l'Alsace, qui a probablement fait des choses un peu innovantes. Je voulais savoir si cette initiative avait été diffusée, avait fait l'objet d'une quelconque publicité, parce qu'il faut aussi s'imprégner de l'intelligence du terrain. Et concernant le deuxième sujet, bon, moi j'ai été particulièrement intéressée par le sujet de la ville décarbonée.
que je retiens, et je me permettrai probablement d'intervenir par la suite. Voilà. En tout cas, je vous remercie parce que c'était passionnant. Il y a d'autres questions, peut-être ? Oui. Paris tue, donc, par cancer du sein, plus que pratiquement le reste du monde. Mais la faiblesse des équipes, des études que vous faites, c'est qu'elles sont, elles s'intègrent, elles flèchent un coupable, par exemple le BPA, mais en fait on sait très bien que le cancer du sein est la résultante multifactorielle. Et dans vous avez fait ressortir les facteurs qui pouvaient l'expliquer, mais par exemple les facteurs psychologiques n'apparaissent pas, et en particulier la capacité de résilience individuelle. Or, si vous dites que Paris est le deuxième mal placé au monde, il faut aussi que vous intéressiez au 15e arrondissement, qui est l'endroit de France où il y a le plus de centenaires par rapport à la population. Et il y a des études psychologiques qui ont été faites sur les centenaires du 15e, et qui montrent que ce sont des femmes qui ont un certain nombre de caractéristiques, d'avoir beaucoup voyagé, femmes de militaires, d'avoir eu à développer beaucoup leur capacité de résilience. Donc je crois que c'est bien de flécher un coupable, mais on est dans un domaine quand même où il faut aller précautionneusement, car on est dans le multifactoriel. Première réponse, d'autres questions. Oui, moi je pose la question. Hein. Oui, oui. Je pose la question. Hein. Je pose la question en disant que les explications habituelles, vieillissement et dépistage, ne permettent pas de comprendre. Alors je ne réponds pas à la question, je vais terminer. Je regarde ce que me dit la littérature aujourd'hui, je donne quelques éléments. C'est le schéma que j'ai montré, c'était de montrer que c'était très multifactoriel. D'accord. Donc c'est comment ces différents environnements s'influencent. Sur la dimension facteur psychologique, alors je n'ai pas eu le temps de développer, hein, mais les connaissances aujourd'hui évoluent, notamment à partir du concept de la DOAD. Alors, je ne sais pas expliquer ce qu'était la DOAD. La DOAD, c'est l'acronyme anglais Developmental Origin of Health and Disease. Ce concept est né en 1989 et au départ, c'est effectivement publication d'un épidémiologiste anglais qui s'appelle David Barker, qui publie sur des observations sur la population ayant été soumise à la famine aux Pays-Bas dans les trois premiers mois de 1945. Et donc, il avait observé effectivement que cette population avait des taux de maladies cardiovasculaires plus élevés. Et donc, à partir de là, il a montré après que cette population avait aussi des taux de cancer du sein plus élevés. Et ça a généré toute une logique effectivement de recherche qui a mis en évidence l'importance des stress nutritionnels, chimiques. Et aujourd'hui, j'ai assisté au dernier congrès en France. Une société française d'OAS s'est créée en 2012, donc c'est assez récent tout ça, hein, qui montre effectivement l'importance du stress psychologique. Et on est en train de redécouvrir ce qu'on savait de façon assez empirique. Hein, c'est que tout ça s'additionne. Et cette notion de stress, effectivement, elle est très, très riche de granulats. Sur la dimension. Moi, je n'explique pas tout par le bisphénol. Je vous donne l'exemple du bisphénol parce que c'est une molécule qu'on a étudiée, hein, donc on a des données, mais qui montre effectivement que très concrètement ce que signifie ce changement de paradigme. C'est un bouleversement des connaissances. Les conséquences, c'est que nos réglementations reposent sur une base scientifique qui est aujourd'hui largement obsolète. Donc, les conséquences qu'il va falloir en tirer. Mais, donc, je reviens effectivement à cette situation parisienne. Bon, il faut se poser la question. Donc, c'est tout sauf normal. Voilà. Mon objectif, c'est de dire c'est tout sauf normal. Donc, à partir de là, essayons de comprendre. Parce qu'on n'est pas en train de discuter du sexe des anges, on est en train de discuter d'un problème de santé publique majeur. Hein. Les chiffres en France sont impressionnants. Les chiffres à Paris donc, sont beaucoup plus élevés. Et je le répète, ce sont des chiffres, des données standardisées sur la population mondiale. Les données brutes sont beaucoup plus importantes. Donc, quand on compare un pays comme le Japon, pays urbain, même secteur de population, système de santé à peu près équivalent, comment se fait-il qu'on ait des rapports aussi différents? Voilà.
Donc cette question-là, elle mériterait d'être analysée. Or, actuellement, il n'y a rien. Il n'y a aucun programme comparatif entre France et Japon. Alors je ne rêve pas, même pas d'un programme entre France et Bhoutan. Il y a plein de gens qui seraient prêts à aller au Bhoutan pour essayer de comprendre, effectivement, le pourquoi de la chose. Mais au Japon aussi. Mais au Japon aussi, d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est... Pourquoi ? Parce qu'on a un regard, une grille de lecture qui nous enferme dans un raisonnement qui n'est pas, qui ne colle pas du tout. Vraiment, de façon très grossière, hein, carrément. Donc j'ai pas d'explication. J'essaye de comprendre à partir des éléments dont on dispose, sédentarité, le fait, effectivement, la notion de stress, effectivement, quand on, le deuxième arrondissement, ça répond un petit peu à votre question. Je dis c'est intéressant, c'est quand même l'arrondissement de la presse, est-ce que c'est ça l'explication ? Il faudrait savoir, effectivement, quelle est la densité de population qui habite sur place. Quand je vois la publication sur l'importance, effectivement, de l'exposition pendant la grosse, pendant la, d'avoir votre nez en vide, il faudrait analyser plus finement. Vous voyez, donc il y a un tas de choses à analyser avant de pouvoir conclure. Mais en tout cas, ce que je voudrais vous faire partager, c'est que la question mérite d'être posée. Voilà. Est-ce qu'on a des éléments de réponse par rapport aux pays européens ? Non. La comparaison entre pays européens, il faut effectivement faire cette analyse. Et ce serait intéressant de regarder avec le critère de densité. Hein, de regarder avec ce critère de densité. Voilà, on a la densité urbaine. Et on regarde d'autres cancers du sein. Ce travail est à faire. Mais je pense que là, ce serait un projet tout à fait intéressant à faire. Et par rapport à ma deuxième question, est-ce que ces constats ont été présentés à nos futurs... Alors oui, c'est pour ça. Oui, j'ai réagi tout de suite en voilà. Mettant effectivement la pétition qu'on a lancée. J'ai les papiers ici et je ne doute pas que vous allez vous précipiter pour la signer si ce n'est déjà le cas. Aucun bébé ne doit naître prépollué. Voilà. Et ça me permet effectivement de vous donner les données publiées par l'étude ELF de SPF, qui est la Santé publique France, qui est la nouvelle agence qui a été créée à partir de l'INVS, qui a publié ça en décembre. Donc vous voyez les chiffres. 4000 femmes, hein. Donc on est là sur une cohorte sérieuse. 70% de ces femmes enceintes ont du bisphénol dans leur corps. 99,6% ont des phtalates. Et puis vous voyez, pour les pesticides sans le périphtalinoïde, 100%, 50% pour les pesticides organophosphorés, 100% pour les PCB, dioxyde et furans, 100% pour les polybromés, 100% pour les perchlorés. Donc là, on a terminé une note. Ce que pourraient dire ceux qui ont pour origine les hydrocarbures. Ah, c'est tous des hydrocarbures. Ils sont tous. Ah oui, c'est tous des hydrocarbures. Donc il faut bien avoir ça dans la tête. Effectivement, je retiens cette idée de vie carbonée et de décarbonée. Ça, ce sont tous des hydrocarbures. Avec des... Oui, c'est vrai, moi je raisonne en chimiste, excusez-moi, je. Question de savoir d'où viennent ces produits-là. C'est tous des. Comment est-ce qu'on les fabrique ? Comment, c'est des produits. Quelle est l'origine de ces. Ça n'est que ça. Alors, on va rajouter un peu de phosphore sur les pesticides organophosphorés, un peu de chlore sur les PCB, un peu de brome sur les polybromés, un peu de fluor sur les perfluorés, mais c'est des produits carbonés. Et donc, voilà. Et on a fait cette note pour qu'on va envoyer demain, vous voyez, dans l'actualité, pour dire, mais à ce niveau de contamination, sur le niveau de contamination, nous avons déjà des études épidémiologiques qui nous montrent un excès, effectivement, alors, parce que le bisphénol, donc je ne focalise pas tout sur le bisphénol, mais c'est là où on a les données, donc, dans la grande étude américaine, NEMS, qui nous montre un lien entre bisphénol et diabète, hypertension, artériopathie, syndrome métabolique, obésité. Je dis du peu, quand même, hein, à des niveaux de concentration qui sont celles qu'on a mesurées. Le bisphénol se tourne dans le plastique. Perfluoré, on a des études danoises, qui montre effectivement un lien entre obésité des jeunes femmes et contamination maternelle en perfluoré, donc 20 ans après. On a aussi le lien avec baisse de la qualité du sperme et infertilité chez les jeunes hommes. Tout ça lié à l'exposition maternelle, à ce niveau de contamination. Et vous voyez, c'est du 100%. Donc on met un peu en cause l'SPF, parce que le discours de l'SPF après la publication de cette donnée, c'est des niveaux faibles. Mais ça ne veut rien dire. Et on a la preuve que chez l'humain, que ça induit déjà des effets considérables.
Donc, je réponds un peu à votre question. Ça se mesure dans le sang ou ça se mesure... Ça se mesure. Le bisphénol se mesure dans l'urine. Dans l'urine. C'est très facile à mesurer, ça coûte pas cher d'ailleurs. Les phtalates aussi. Les perfluorés, c'est dans le sang. C'est soit dosage urinaire, soit dosage sanguin. Donc, j'avais deux questions. La première pour le premier intervenant. En fait, je m'interroge vachement sur le... Parce que à la fin de votre présentation, vous avez évoqué donc, les liens potentiels qu'il y aurait entre le cancer du sein et la ville. Et vous avez, au cours de la présentation, évoqué un peu la répartition spatiale, donc avec notamment des fortes prévalences à partir des données de l'ORS sur Neuilly et sur des territoires, on va dire, favorisés. Et comment vous expliquez, on va dire, par rapport au lien avec la ville, justement, avec l'environnement urbain, le fonctionnement urbain, cette forte prévalence dans des secteurs favorisés, alors que pour beaucoup de pathologies chroniques, je pense à l'obésité, je pense au diabète, je pense aux maladies cardiovasculaires, quand on fait le décalque, on va dire, entre les niveaux de prévalence et les caractéristiques socio-économiques, et même en termes de cadre urbain délétère, on a une très forte polarisation sur les territoires désavantagés, sur les territoires de la politique de la ville notamment. Et comment vous expliquez un peu c'est amusant, entre guillemets, parce que ça... Peut-être, j'ai une deuxième question pour le deuxième intervenant qui va en fait avec cette logique, enfin avec cette question-là, en fait, c'est de réflexion parallèle. Vous avez conclu votre présentation en disant que d'une certaine manière, la ville décarbonée était la manière de construire, enfin d'œuvrer positivement sur la santé publique. Moi, ce qui m'interroge, je souscris à ce propos, ce qui m'interroge sur justement la question du logement social à Paris et de cette question de la densité, de la qualité de vie, etc. pour les Parisiens et de construire, on va dire, les dynamiques autour du Grand Paris, c'est justement la question des autres déterminants de la santé en termes de fonctionnement urbain. Je parle aux caractéristiques de l'habitat. Je parle justement de toutes les questions psychosociales et d'impact du stress par rapport à un cadre urbain délétère ou le fait de vivre justement loin de son lieu de travail. Donc c'est aussi ce que ça implique, le fait de ne pas produire les logements nécessaires, les logements sociaux nécessaires à l'intérieur de Paris. Ça implique notamment pour les personnes qui viennent travailler à Paris et qui ont des emplois, on va dire, précaires ou alors peu valorisés, justement de faire des trajets domicile-travail très très forts. Donc, ça me réinterroge plus largement sur les déterminants de la santé. Aujourd'hui, d'après les recherches, les différentes cohortes franciliennes, notamment je pense à la cohorte Record de Basil Chex, il y a beaucoup de travaux qui sont faits entre différentes, corrélation entre des pathologies et des caractéristiques socio-économiques. Est-ce que justement le fait d'œuvrer dans une vision environnementale, quand on sait qu'aujourd'hui à peu près 50% de l'état d'une santé d'une personne est conditionné par ses caractéristiques socio-économiques, est-ce que le fait d'œuvrer dans ce sens-là, ça n'a pas des risques et justement des conséquences pour les populations les plus précaires qui, je le rappelle, ont l'état de santé le plus pauvre. Un exemple éloquent, d'ailleurs, je vais faire la pub du livre publié par la Fondation AIA, « Bien vivre en ville ». Il y a une carte très intéressante sur l'espérance de vie au sein de Paris. Et on voit qu'il y a un différentiel de 4 ans d'un bout à l'autre de la ligne 12, notamment en lien avec les caractéristiques socio-économiques des populations. Donc voilà, juste à m'interroger par rapport à ces facteurs de fonctionnement. On a le même constat à Londres aussi. L'espérance de vie change énormément de... Oui, ce qui est effectivement intrigue beaucoup sur ces données, c'est que ça touche effectivement des populations plus favorisées. Peut-être un surdépistage, mais qu'il faudrait vérifier. Ça peut expliquer en partie le phénomène, mais pas au point où ça en est. Certainement, peut-être aussi un effet protecteur des grossesses dans les jeunes âges. L'absence effectivement de grossesse augmente le risque.
Historiquement, d'ailleurs, ça avait été mis en évidence par Ramazzini en 1700, qui trouvait que les nonnes avaient plus de cancer du sein. En 1700, c'est une arrivée à faire ce type d'observation. Donc, mais ça, il faudrait l'analyser plus finement. Hein. Voilà, moi, je ne peux pas me donner de réponse comme ça. Je veux dire, mais c'est effectivement... ça interpelle. Mais les chiffres sont tellement importants, la différence est tellement importante qu'il faut essayer de comprendre. C'est un élément certainement qui va jouer, mais ce n'est pas le seul. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est très important de prendre en compte également les autres déterminants de la santé. Hein, et c'est le propre justement de l'urbanisme que d'essayer d'aborder cette question de la complexité des facteurs, hein, d'en faire la synthèse et d'avoir une approche syncrétique de l'ensemble des déterminants, de leur corrélation, etc. Le problème des inégalités sociales, des socio-économiques également, est un facteur très important, mais c'est plus un facteur politique, je dirais, qu'un facteur urbanistique. Si on prend par exemple la question de la précarité énergétique, pour revenir au problème de l'énergie, on voit bien qu'on cherche à résoudre ce problème des passoires thermiques, hein, et aussi des maladies qui sont dues. Hein. On a constaté qu'il y a beaucoup de maladies ORL, et des maladies psychologiques, des dépressions, etc., qui sont directement liées à ces questions de précarité énergétique. Et une manière de résoudre le problème, c'est de bien entendu de financer l'isolation thermique de ces bâtiments, de rénover thermiquement. Mais le véritable problème, c'est, vous avez raison, c'est la lutte contre la pauvreté. Hein, parce que derrière la question de la précarité énergétique, c'est la question de la pauvreté et de la misère qui est derrière ça. Donc il y a également une volonté politique qui est très importante, avoir une présence de l'État qui est importante sur ce plan donc, pour améliorer le niveau de vie des gens. Mais peut-être au-delà des questions politiques, et justement, enfin, on parlait tout à l'heure, vous citiez les travaux d'Hélène Charrère et de Flaubert, oui, sur le fonctionnement urbain. Il y a cette logique aussi, peut-être que l'état de santé par rapport à la sédentarité, par rapport à la lutte contre l'obésité, etc., peut être amélioré par certains déterminants urbains, notamment l'accès aux services, notamment les relations sociales, etc. Donc ça va peut-être au-delà du politique, c'est des décisions d'urbanisme et d'aménagement en termes de programme. Mais l'urbanisme est politique, justement. Oui. L'urbanisme, surtout pas réduire l'urbanisme technique. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, mais c'est pas... C'est lié. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des décisions politiques, c'est très important, qui orientent l'action dans telle direction plutôt que telle autre. Vous faites un lien, je dirais, très clair et très précis entre santé et ville. Et moi, je me posais une question sur les matériaux qu'on emploie dans la construction de nos bâtiments, et notamment dans nos habitats, d'une certaine manière, et dans nos bureaux, dans lesquels on passe presque plus de temps que dans la ville elle-même, en fait. Est-ce que, sur ces sujets, vous avez des éléments à nous apporter ? Je pense, en entendant votre question, je pense à une publication récente qui a été faite dans le cadre de l'étude Pélagie en Bretagne, qui est une cohorte de 3000 femmes enceintes qui a été suivie. Et on suit effectivement aujourd'hui les enfants. Et récemment, l'équipe a publié sur les polybromés. Le lien entre déficit cognitif chez l'enfant de 6 ans et exposition aux polybromés dans l'environnement intérieur. Ces polluants ne se trouvent pas dans l'environnement extérieur. Vous faites des mesures dans la rue, vous avez trouvé du NO2, vous trouvez des particules fines, mais vous ne trouvez pas de polybromés. Ils sont là. Ils sont dans, effectivement, ils sont émis par ce genre d'engin. Ils sont émis dans des polybromés, par exemple. Le lobby du brome a réussi à placer du brome partout, voilà. Et avec un objectif louable, il fallait éviter, effectivement, les incendies. Et donc, on a mis des polybromés dans les oreillers, par exemple. Parce que c'est évident que les oreillers s'enflamment si vous mettez des cigarettes. Mais dans les oreillers d'enfants, vous voyez. Donc, on a montré des contaminations de l'enfant, puisque l'enfant a sucé son oreiller.
vient des vecteurs de ce type-là. Vous voyez, alors, il faut analyser plus finement tout ça. Mais je porte une piste à regarder, c'est quel est l'environnement intérieur dans les catégories favorisées, du point de vue, si on veut comprendre effectivement l'aspect cancer de ça. Je vais prendre un autre exemple, l'utilisation des cosmétiques. Les cosmétiques est très lié à un niveau social. Hein, par principe. Le prix fait que... Mais du point de vue, effectivement, de la consommation chimique, je ne peux pas du tout garantir. J'utilisais pendant très longtemps une diapo que je n'utilise plus, mais je vais vous la citer parce que j'aimais bien l'utiliser. C'était un parfum qui s'appelle le poison de Christian Dior. Parce qu'effectivement, j'avais donné le Greenpeace à l'époque, mais je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui. Donc je cite, voilà, à l'époque, c'était le parfum le plus chargé en phtalate. Entre du DEHP et du DEP. Alors que je disais aux gens, quand je faisais une conférence, vous pouvez dire que vous êtes surpris, c'était marqué sur l'étiquette. Poison, Christian Dior. Elle est toujours très épais. Hein. Les deux HP qu'on retrouve effectivement, ben voilà, les HP on retrouve là dans les à 100%. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les matériels médicaux. C'est le fixateur des parfums aujourd'hui, c'est un DEP, c'est un phtalate, il s'appelle le DEP, le diéthyl phtalate, et on a les données qui montrent un lien très clair de contamination pour l'enfant. On a une donnée, notamment une étude tout à fait importante. Alors, le lien avec baisse du QI lié à la contamination maternelle en phtalate, on a une étude américaine qui a été la première à mettre ça en évidence, un lien entre féminisation du jeune garçon et phtalate. Et le DEP, notamment, rentré dans le calcul. Féminisation, ça se mesure chez le rat, dans l'espèce humaine, avec un indicateur qui s'appelle la distance endogénitale. Chez les mammifères, cette distance est plus faible chez les femelles que chez les mâles. Voilà. Et donc, ça se mesure, d'ailleurs, il y a pied à coulisse, c'est assez curieux, mais c'est pas très sophistiqué, mais ça se mesure comme ça, et c'est une donnée qui montre très clairement un lien entre le degré de contamination maternelle par les femmes au début de grossesse, en plus. Donc, bon, se fait le choix finalement du sexe, hein, parce que ça au départ on a l'équipement pour faire les deux sexes, et puis chez les mâles, effectivement la testostérone va éliminer le caractère femelle, sauf que le DEHP, et on démontre très clairement chez les rats, supprime le pic de testostérone. Ouais. Il n'y a plus de pic de testostérone, donc évidemment ça va féminiser. Donc c'est pas rien, hein, c'est pas rien comme bouleversement, et voilà, une molécule qu'on trouve de façon très importante, et ça reste encore utilisé dans les cosmétiques. On s'est battu dans la réunion du comité de suivi de la stratégie nationale perturbateur endocrinien, quand l'ANSM nous a encore dit récemment, il y a 150 médicaments qui contiennent des phtalates, notamment du DEP. C'est quand même invraisemblable. Hein. Voilà. Donc après, ouais, les consommations médicamenteuses sont liées effectivement à l'état de santé, sont liées. Ouais, tout ça reste à analyser de façon plus fine. Mais pour essayer de comprendre. Mais c'est un élément qui peut y avoir un gradient social sur ce type de consommation. Bonsoir, je vous remercie pour vos interventions. Moi j'ai une question, alors je ne sais pas qu'on ne peut pas lire dans l'avenir, mais c'est par rapport à la fermeture des voies sur berge. Est-ce que, selon vous, c'est... je pense que c'est compliqué à répondre, mais est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que pour demain c'est une bonne solution? Parce qu'on entend dire aussi que la fermeture des voies sur berge provoque plus d'embouteillages qu'avant. Du coup, est-ce que le flux des voitures est moins régulier, moins rapide? Est-ce que la pollution reste plus? Enfin, voilà. Moi, je me pose un peu ces questions-là. Est-ce que la fermeture des voies sur berge, certes, est une décision politique très importante et très, très impactante pour la ville, mais aussi pour les Parisiens? De façon à les retrouver la Seine, c'est très agréable. Mais est-ce que, d'un point de vue écologique, c'est une bonne solution? Bon, oui, c'est vrai que c'est une bonne solution, mais c'est une solution brutale. C'est peut-être une solution brutale, radicale, et qui aurait dû peut-être être concertée avec la région, hein, pas prise isolée par la mairie de Paris, puisque les voies sur berge ne sont pas que des voies parisiennes, ce sont aussi des voies régionales, qui relient l'Est et l'Ouest parisien.
tous les mouvements pendulaires, les gens qui vont bosser à l'Est et qui habitent à l'Est, hein, c'est toute l'organisation de l'espace régional parisien qui était en cause derrière et qui a été mis en place justement par ces réseaux, par du temps d'urbanisme des réseaux. Cette volonté, derrière cette décision, il y a une volonté aussi de créer des embarras, d'emmerder les automobilistes, d'emmerder les Parisiens pour qu'ils agissent sur les automobilistes, etc. Créer un peu le chaos, hein, pour aussi, je pense, hein, derrière cette décision, dans l'esprit de la guerre, il y a peut-être ça, hein, aussi cette volonté de créer un peu le chaos pour réveiller les gens, hein, sur ce problème. Changer les habitudes, surtout. Changer les habitudes. Mais ceci dit, à court terme, on ne voit pas encore vraiment les résultats, je veux dire, avant, puisque il y a un report du trafic sur les quais supérieurs, il y a des déports sur les voies, comme le port Saint-Germain, etc., qui devient infernal. À court terme, c'est vrai que ça crée énormément. C'est pour ça que ces décisions-là doivent être prises dans un esprit de transition et de négociation, et non pas comme ça de manière brutale. Ah, écoutez, il nous reste à remercier André et Albert pour cette intervention. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je vous recommande le petit livre rouge, parce que rose. Parce que d'une part, bon, je l'ai lu, mais j'ai lu les deux autres livres de nos amis avant qu'ils interviennent dans les tables rondes de mois de juin, et il est extrêmement intéressant. Nous aurons deux autres rendez-vous de la Fondation cette année qui sont déjà prévus, un sur la psychiatrie et un autre sur l'éthique, que nous sommes en train de mettre en place. Je vous ai écrit d'ailleurs qu'on a fait, on a un peu relevé la difficulté en essayant d'avoir deux intervenants au lieu d'un. La dernière fois, il y avait la musique et puis l'art à l'hôpital. Pour la psychiatrie, nous aurons donc le directeur de Sainte-Anne et puis un designer qui s'occupe justement du problème de la psychiatrie, et puis sur l'éthique, on cherche le tandem, on essaye de faire cette année des couples d'intervenants pour amener un peu une dynamique différente. Voilà. Je vous remercie tous, nous avons un parcours qui nous attend, et je vous remercie encore pour votre émission. À la prochaine. Thank you.